Salut à tous les amis, c'est Lina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft, les amis. Donc c'est la suite de survivre grâce à un seul mouton. J'ai continué à travailler hors caméra, les amis. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait ma petite maison. Regardez, c'est trop beau. Je l'aime, hein. C'est pas terrible, mais j'ai fait un petit peu sécuriser parce que j'en ai marre de tomber bêtement dans le vide. À chaque fois qu'il y a un creeper ou quelque chose, à quoi je me bats. Donc on va faire le tour ensemble et on va continuer aujourd'hui. Le but c'est d'aller sur la petite île que vous voyez là-bas. Donc et peut-être si on a le temps, celle-ci là-bas. Et voilà. Allez, on va faire le tour du propriétaire. Oui, il va faire déjà nuit. Et comme vous avez pu le voir, j'ai changé mon petit skin, les amis, et je la trouve trop cute. Voilà. Bon, donc là j'ai fait des petites barrières, des petites barrières pour sécuriser un peu là, qu'on évite de tomber, et puis voilà, j'ai mis des tapis pour passer au dessus, et puis là là je suis en train d'élargir pour les animaux. Voilà. Donc là on va aller faire notre dodo du soir. Alors notre petit mouton il est toujours là, donc on va continuer à le cisailler tout doucement, voir ce qu'il nous propose. Beaucoup de terre, de bâtons, toujours à peu près les mêmes choses qu'il nous donne. Il nous donne pas grand chose de plus pour le moment. Oui, le mouton, il est dans la maison. Sécurisé, et voilà. Ok, là dans le coffre, les amis, vous pouvez voir que j'ai réussi à avoir de la poudre de blaze et des anciens débris. Donc là, c'est toujours pareil, des blocs de charbon. Mais on a toujours à peu près les mêmes trucs. Ben, regardez, là, on a du diamant, les amis. On va sortir le diamant. Et on va se faire un équipement en diams. Donc, les équipements en diams, on va voir si on peut tout faire. Des jambières, un pantalon, un blason et un petit casque des familles. Voilà, voilà. Et on va se faire notre belle épée en diamant, bien sûr, qui va venir remplacer celle en fer. Déjà, regardez, on a notre petit panoplie en diamant. Donc on va se l'équiper tout de suite. Elle va être trop belle. Voilà. C'est génial avec ma petite épée tout en diams. Donc on va continuer. Bon, allez. On va aller voir les amis si on peut aller sur cette fameuse île. Coucou ma vache. Coucou le mouton, tu te plais là, hein? Oui, mais j'ai pas fini, je vais vous faire du grand espace. Cette île là-bas, ou j'avais dit cette île là-bas. Donc voilà, on va continuer, allez, hop. Donc on va bien se mettre en face. Et on va lire un beau petit coffre là-bas. On va regarder. On va se mettre de la terre. Là encore de la terre, du grès, et on va partir avec ça. Donc on va se niquer, pas tomber, les amis. Et c'est parti. Je vous reprends dès qu'on est arrivé sur cette fameuse île. Voilà les amis, on est arrivé enfin sur cette fameuse île. Et comme vous pouvez le voir, il y a un coffre. Donc on va l'ouvrir ensemble. Une canne à pêche, oui, ben j'ai pas d'eau, hein. C'est sympa, mais j'ai pas d'eau dans ces îles. Je voudrais faire de la culture et tout, mais j'ai pas d'eau. Ça va être un petit peu compliqué pour trouver de l'eau, je pense. Pomme magique, et je vais récupérer ce petit coffre pour mettre dans la maison. Hop, ici il se passe quoi? Que je fasse un peu le tour. Il y a des baies, il y a pas grand chose. Hein.
où est-ce que je vais trouver de l'eau. Là, je vois qu'il y a un coffre aussi là-bas au nether. Puis là-bas, le plus important, c'est bien l'end, hein, mes amis. Ça sera fait après le nether. Donc, voilà. Ici, c'est ok. Je vais me faire piquer, non? Allez. Et je vais aller recollecter mon mouton pour pouvoir aller sur l'autre île aussi. Donc on va le faire tout de suite. On va positionner notre petit coffre. On va le mettre ici. Voilà. On va recollecter ce mouton. C'est parti. Et alors, diamants, je me pose là, les pommes magiques, des blocs de diamants qu'on va mettre là, le fer, pour faire un petit saut, ça serait bien, ça, la terre qui va venir ici, du truc gris, la déméthyste, du charbon, la pierre, que j'ai vraiment pas besoin pour le moment. Des émeraudes pour l'instant, on est plutôt pas mal. Ok, pommes, je vais falloir que je mette la garde manger ailleurs. Il n'y a rien à bouffer là dedans non, tout ce qui est nourriture on va les passer là dans le petit coffre. Voilà, pour essayer de pas perdre la nourriture. Allez. On va les ouvrir, on va les faire l'autre île maintenant. Hop, on va bien se mettre en face. Coucou les petits moutons. Salut, ça va? Il n'y a pas un cochon qui vient de se faire un belly vaconfly ici là? Ah non, il est là-bas. Alors on va se mettre bien en face les amis. Et on va slick tout pareil. Et c'est parti. Voilà les amis, on est arrivé sur l'autre île également. Regardez, on a fait pas mal d'îles jusque maintenant. Voilà, il restera plus que le nether et puis le land. Allez, donc on continue. Oh, du fer, de l'or, de la pomme, du diams, émeraude, un casque en diamant, voilà, et je récupère le petit coffre, il va faire nuit et on va se faire shooter, donc on va rentrer à la maison avant qu'il y ait un spawn de zombies, etc. Donc c'est parti. Hop, désolé le mouton, je voulais pas te faire mal. On va se dépêcher. Il me manque pas des bêtes, des animaux là. Là j'ai plus rien. Je crois que j'ai des bêtes qui despawnent ou qui tombent dans le vide. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est comme ça. Bon, ici il y aura personne apparemment. Là, vous voyez, ça va spawner de. J'avais pas mis des. Du torche, comme vous allez voir, ça va spawner de partout là-bas. On va attendre un petit peu, puis on va regarder ça. Ouh, les vilains, vous êtes où? Oh, j'ai plus que deux îles à faire, vous voyez. Il n'y a plus que le nether là-bas, et puis l'end sera nos deux prochaines îles du prochain et dernier épisode, je pense. Il y aura un épisode encore avec l'Ender Dragon, on testera. Ah oui, regardez, ça spawn les araignées et tout. J'avais pas mis des torches dehors, moi. Je vais me faire spawner un zombie ou un creeper là dans le coin, je vais rien comprendre, moi. Allez, on va aller faire dodo. Ouh, il y a des creepers et tout là-bas. Là, j'ai mes animaux qui les spawn, qui tombent dans le vide, je sais pas ce qu'ils font. Voilà, c'est parti pour le petit dodo.
Donc bon, on va continuer à ranger ici ce qu'il y a à ranger. Donc là, la nourriture. Là, je vais remettre la moitié ici, hein, parce que ça sert à que je prenne tout. Ici, on va ranger un petit peu tout ça. J'en ai trop, j'en ai énormément. Il faut de l'eau. C'est pour que je trouve de l'eau là-dedans. Du sable, de la laine. J'en ai 10 fois trop. Il va falloir que je balance des trucs. J'ai quasiment un équipement en fer aussi. Un coffre que je vais mettre. Et puis ça pour aller de l'autre côté. On dit walou, il n'y a pas d'autre chose à faire. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, j'ai un autre coffre à mettre ici. Voilà. Le coffre à nourriture qui va être un peu plus grand. Je redescends tout ça. Voilà, voilà. Pour aujourd'hui, les amis, j'ai un petit creeper là-bas, des familles, qui nous fait un petit coquinet. Voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo de la suite de survivre grâce à un mouton. La prochaine fois les amis, nous irons voir voilà, le nether là-bas et après l'end. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dans ce cas-là, lâchez un méga like. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Je vous adore. Ciao, ciao.